Merci, moi c'est Samuel Elégué. Comme donc mon père l'a dit, que j'ai eu le comité d'organisation de ce village. Moi, depuis le dimanche 20 juillet 2014, nous avons arrêté l'arrivée du prophète Grasso ici pour bien sûr annoncer l'évangile, mais en même temps aussi diviser ce village qui souffre. À ce point, le prophète, dans la pratique des choses, a demandé l'historique de ce village parce que ce sont des bases très importantes dans lesquelles on peut s'appuyer pour, comment dirais-je, aller contre les forces mystiques de ce village. Alors, l'historique étant tel, il faut savoir que le nombre a pour un sens clôture, la clôture. Gros. Dans le patois, c'est blanc. Dans le patois, c'est blanc. Mais les blancs, en écrivant, ils écrivent gros. Et donc, l'histoire part d'abord encore vers le 15e siècle. Parce que comme la population qui vit ici est Bida, dans cette population, selon les informations, nos ancêtres sont quittés au Ghana. Et comme le nom Bida même est arrivé, nos ancêtres vivant avec les ancêtres du Ghana, eux, ils ne travaillaient pas beaucoup. Mais ce sont les Akans qui travaillaient et partaient au champ. Et nos ancêtres, on les trouvait à chaque fois au village. Et quand les Akans partaient, ils venaient, ils ont eu à dire à nos grands-parents, nos ancêtres, que vous ne faites que manger et dormir. C'est que dans le patois, Aka dit Nada, ce qui veut dire tu manges et tu dors. Voilà, en langue baoulé. Voilà comment le nom Bida est venu. Et puisque nous portons maintenant cette étiquette, nous avons quitté le Ghana pour venir, lors d'une guerre tribale. Et les Bida qui sont quittés au Ghana, c'est ceux-là qui sont dans la région de Divo. Mais il y a deux groupes de Bida. Il y a un groupe qui vient du Libéria. Ce groupe-là, et du côté de Lakota et les Bété, qui sont un peu des voisins dans cette région-là. Et donc nous, étant venus du Ghana, étant venus aussi à Divo, les ressortissants de ce village, notre premier site a été dans cette région, mais précisément à Grosso. C'est là que nos ancêtres ont vécu premièrement pour ce qui concerne ce peuple que nous sommes. Maintenant, ils étaient dirigés par un puissant guerrier, puisque la fondation même de ce village se repose sur 12 grands guerriers, 12 personnes. Et parmi lesquels, et le premier guerrier qui les dirigeait, c'était Dido Ourega. Et sous son règne, les gens ont mené des actions de guérilla. Mais avant de mourir, peut-être d'où part maintenant cette histoire de clôture. Avant de mourir, il a donc demandé à sa population, il leur a présenté deux options. Si je meurs, je voudrais plutôt devenir une mare d'eau dans laquelle tout habitant de ce village viendra pour chercher sa bénédiction. Les parents ont trouvé ça humiliant parce que un homme qui va mourir et ce dernier va devenir une mare, les voisins diront toujours que toi, c'est pas ton parent qui est mort et puis qui est devenu mort. C'est vrai que l'enjeu est bon, mais dans l'ensemble, c'est pas bon. Donc, la deuxième option a été que, bon, si vous voulez, amenez-moi très loin de ce site où nous sommes actuellement. Comme ça, la longue, votre village va arriver là-bas et on trouvera que le village est grand. Pour eux, le prendre et puis le mettre un peu à 2 ou 3 kilomètres serait bien. Donc, ils ont amené un peu non loin d'eux. Et ils ont trouvé que cet endroit est bon. C'est dans ça, le village même de son existence, quand ça s'agrandit, ça ne peut plus dépasser cet endroit où ils ont enterré le premier guerrier dénommé Dido Ourega. Donc, c'est tellement dans notre vision où on dit que, comme le nom même l'indique, Glo, qui veut dire clôture, alors nous pouvons dire que ce point-là peut agir sur le village, ça fait que le bien. Maintenant, comme on a dit, il y a 12 guerriers. Parmi les 12 encore, il y a un autre. Sa naissance a été de façon miraculeuse. Il y a une vieille femme qui était avancée à l'âge. Ça s'appelle la génération de Dido Ourega. Il y
y a une vieille femme qui est aussi avancée en âge, elle, comme ça, un soir, au clair de lune, il y a une goutte d'eau qui est tombée sur elle. Et du coup, parce qu'elle n'avait pas encore enfanté, jusqu'à cette âge. Elle avait quel âge? Bon, avancée en âge. Elle avait même excédé, mais elle avait le poids. Ainsi donc, cette femme, une goutte d'eau est tombée sur elle, et elle a contracté une grossesse. À ce point, l'enfant qui est né a été un enfant vraiment mystérieux, un enfant d'une forte puissance. Et cet enfant, du nom de Dido Popo, lui, son totem était de ne pas brûler les peaux de bananes dans le village. Et un jour, quand ils ont grandi, ils étaient allés en guerre avec leurs compatriotes. Et une femme étant là-bas, a commencé à brûler les peaux de bananes dans le village. Et étant touché par la prison, il a dit à sa tour de retourner à la base. Ainsi donc, effectivement, ils sont arrivés, ils ont vu qu'il y a une femme qui brûle vraiment les peaux de bananes dans le village. Il a réuni tout le village et il leur a dit, j'ai cette petite corne, celui qui va racler sa gorge et qu'il va remplir cette gorge comme ça, sera vraiment le vainqueur. Les gens étant vraiment émotionné, chacun a pu racler sa gorge jusqu'au point où la corne de la biche n'a pas été remplie. Mais quand il a pris la corne, il a demandé à ce que la population tape les tambours pour une danse folklorique. C'est dans ça, dans le fond, étant dépassé par l'émotion, il s'est envolé comme ça au centre de la population. Une ascension. Une ascension. Jusqu'à aller très haut dans le ciel. Et de temps en temps, le ciel, il a disparu, voilà, le ciel englouti, il a disparu dans l'espace. Et la petite corne qu'il avait sur lui, étant très haut dans le ciel, il l'a lâché. Et cette corne, aujourd'hui, selon l'histoire, est allée tomber dans le village de la sous-préfecture de Ziré, qu'on appelle Zégo. Zégo. Donc voilà pourquoi un peu, quand vous allez à Zégo, vous voyez que c'est un gros village. C'est un village aussi nanti. Donc certainement, nous voyons que nous avons l'avantage de Grand et d'aller à Véco. Donc voici un peu, on va savoir l'historique même de ce village. Pourquoi aujourd'hui les jeunes dans ce village n'émergent pas? Vous allez voir, on va se clarifier, on va aller au moins peut-être CM2 ou bien troisième. Donc Zégo a émergé. Oui, Zégo a émergé. Mais ça signifie quoi Zégo? Zégo, bon, puisque moi je ne suis pas de cette localité, je ne peux pas trop savoir. Peut-être que c'est la corne. Bon, pourquoi pas. Donc c'est à cause de la banane qui a été... Comment on appelle brûlé. Oui, voilà, peau de banane, tout à fait que le guéri a été touché de par sa puissance et il a réuni le village et il a quitté. Il a quitté les villages. Donc, depuis lors, vous avez parlé de l'histoire de votre village, donc cela sous-entend que le village a poussé avec les esprits humains. Tout à fait. On a l'allemand, en fait. Et aujourd'hui, arrivé à point nommé, oui. Parce qu'il faut dire que d'abord, on avait un génie protecteur dans la région qui est Dido, qui porte aujourd'hui le nom de la sous-préfecture, du chef-lieu de la sous-préfecture qui est Dido-Po. Et là, ce génie-là était adoré par tous. C'est vrai, on peut avoir des petites poches de génies protecteurs tels que Grogbakako, mais c'est le génie protecteur même qui dominait, qui était Dido. Voilà. Et cette montagne même existe toujours. C'est même le chef-lieu de la sous-préfecture. Quand vous arrivez à Dido-Po, vous voyez cette montagne qui domine les maisons. Oui. Voilà, juste dans le secteur. Donc, c'est ça que nous pratiquions. Mais l'avènement du prophète aujourd'hui nous donne cette envie vraiment de savoir que Jésus-Christ est Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas l'avènement du prophète qui nous fait aujourd'hui découvrir la parole de Dieu. Parce que sur le site, il y a déjà des églises qui existent. À savoir l'église catholique, qui est la première église dans cette localité qui a été construite en 1958 par les missionnaires français. Ensuite, il y a eu aussi l'école primaire catholique en son temps, à la même période, mais avec le temps, elle est devenue une école publique. Voilà, dans les années 90, par là, si je ne me trompe. Donc, c'est à cette période que cette école a été une école publique. Mais il y a eu la première école de la région dans ce village.
vous dites que ça fait deux semaines que le prophète dit après. Il y a eu un changement. Est-ce que la dimension est un peu. Oui, il faut le dire qu'il y a eu un changement. D'abord, le plan climat. Non. Le climat vraiment dégage certaines choses, ambiance, parce que nous voyons que l'atmosphère même en esprit, c'est savoir que le travail qui se fait, c'est un travail positif. Maintenant, l'arrivée même du prophète nous a fait découvrir un point qui était même un sort, un point qui était le blocage, bien sûr, du village. Puisque le prophète lui-même étant touché par le Saint-Esprit, nous a conduit à une termitière qui est juste à l'entrée du village. Quand vous allez rentrer dans le village, il y a le panneau, vous remontez un peu sous la basse station, vous voyez là une termitière en venant à gauche. La termitière était logée, le dragon comme le prophète l'a dit. Mais nous avons vu de nos yeux un serpent à l'intérieur de, comment dirais-je, de cette termitière. Et c'était un gros cobra. Et donc, le prophète étant servi par la puissance du Saint-Esprit, nous a conduit à cet endroit pour dire qu'il y a quelque chose. Qu'on détruit cette termitière. Alors nous ne sommes à rien, nous avons creusé, et à la finition, on a vu un gros serpent. Et ce serpent, nous l'avons tué. Et c'est après qu'il s'est caché. Parce qu'en le tuant, il a essayé de se défendre. Il a caché trois fois sur la foule. Mais on a été vigilant, et des panneaux crient les pierres qu'on lançait, nous l'avons abattu. Donc on l'a pris, on l'a mis à la place publique. Il est même actuellement là, le prophète a dit qu'on doit le brûler. Comme ça fait près de 4 jours certainement, il est en décomposition. Néanmoins, le squelette est là. D'accord. Voilà, les débris sont là. Donc c'est le prophète qui va nous instruire de ce qu'on puisse le brûler ou bien de faire quoi qu'il voudra. Et donc quand on l'a tué, on l'a mené ici. Et c'est là, mais il nous a expliqué que l'objectif de ce serpent, que tout le monde voit serpent. Il avait promis de sécuriser d'abord tout le village. Pas dans le bon sens, hein. Ah oui. Tout ce qui était bien, il les avait confisqués. Parce qu'il avait dit le jour qu'on l'a tué, il voyait sortir comme ça les diplômes des gens, la richesse, l'argent qui sortait, tout ce qui était bonheur de ce village sortait dans la vision qu'il avait confisqué. Il se voyait qu'il avait confisqué. Et ce drapeau servait de patrouille pour le village. C'est-à-dire que la clôture dont on a parlé, il rôdait toujours les limites du village, à ce que rien ne sorte et rien n'entre dans le centre politique. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, il était le réseau, le corridor infernal, qui était infranchissable dans tous les sens. Donc c'était un peu ça. Et comme ce grand réseau est démantelé, aujourd'hui les sorciers de ce village ont été affaiblis. C'est ce que le prophète nous a fait découvrir. Donc en un mot, dans un premier temps, il est venu, il a détruit cette base de la sorcellerie qui était enfuie dans le cimetière. La deuxième action qu'il a posée, il a dit que puisque nous avons scellé les pactes avec les chimies, alors il nous a délié à une action prophétique, délié bien sûr de ce pacte des génies protecteurs. Alors nous avons scellé ce lien là, le jeudi, et il a donc permis à tout. Il a fait appel au chef de terre, il a fait appel au chef du village, et chacun qui a parlé dans son cœur pour dire que hier nos ancêtres ont scellé des pactes, nous n'étions pas encore vivants. Mais aujourd'hui, nous voulons changer d'option. Nous voulons maintenant se donner à Christ par le canal du prophète Joël Crasso. Donc, à compter de ce jour, notre vision sera maintenant vers Jésus. Et chacun d'entre nous a parlé. Et le prophète a fait donc des actions divines, prophétiques, et la bouteille d'huile d'onction qu'il avait utilisée a été brisée. Il dit que l'ancien gros est terminé, et le gros nouveau dans lequel Jésus-Christ va régner, où ses enfants vont prospérer,
vient au grand jour, c'est ce qu'il appelle le jeudi. Le vendredi, il y a encore une grande veillée, qui est du monde ici. Alors, au cours de cette veillée, il y a eu des guérisons miraculeuses, il y a des gens qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Et ce jour-là a été un grand jour. Maintenant, aujourd'hui, qui est dimanche, le prophète a dit que ce jour est un jour maintenant de la consécration du village. C'est-à-dire qu'il va fermer le village, passer sur les frontières, avec pour que le prophète, comme à son temps, le serpent lui rôdait, maintenant le Saint-Esprit va prendre le dessus dans le village, briser tout ce qui est mort dans le village, afin que les enfants des grands retrouvent maintenant leur position d'enfant. Je trouve que c'est ici à commencer. Donc voici un peu comment les choses se passent depuis la création. Nous sommes très heureux. Nous savons que ce qui vit est fondé sur la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois, il reçoit des versets bibliques pour vérification de tout ce qui est pour lui. Alors, pour quelqu'un qui croit, la Bible est le livre saint. Et que si un message sort de la Bible, il n'y a pas de contestation. C'est délivre. Donc, ce que le prophète est en train de faire dans ce village. Mais, comme en toute chose, il y a des personnes de mauvaise foi. Ces personnes voient la vérité et qui diront que ce n'est pas la vérité. Ce sont ces personnes qui peuvent s'opposer à ce que fait le prophète actuel. Ce que moi, en tant que président du comité d'organisation et d'une fille de ce village, je vois et j'entends, je sais que tout est. La dernière question, c'est que vous avez parlé de l'avènement du prophète. Comment est-ce qu'il arrive? C'est une invitation, c'est lui. Okay. Voilà, merci pour cette question. Il faut d'abord dire que le prophète annonce la parole. Mais à toutes choses, c'est son travail aussi. Et ce qui donc permet à ce que en toutes choses, quand il va. Comment le contact a été. Voilà, le contact, nous l'avons découvert par les actes que vous avez dit dans un village non loin, il a été nommé Zaroko. Et étant parti là-bas, nous étions partis là-bas, et nous avons vu ses actions qu'il a menées là-bas. Et cela vraiment nous a touchés, cela vraiment nous a révoltés. Et nous, puisque c'est la même maladie, on dit quand tu as une maladie et que tu as vu quelqu'un soigné par un médium ou un médecin, je pense qu'il est important pour toi que tu ailles vers cette personne pour qu'elle te soigne aussi. Donc, c'est ainsi. Nous avons pris toutes les informations et nous, on nous a dit que c'est par invitation qu'il faut qu'ils viennent ici. Sinon, c'est une action de lui pour dire, c'est vrai que je fais l'œuvre de Dieu, et s'il y a des malades, il faut que j'y aille, que j'y puisse. C'est par invitation. L'invitation du Chalabaché. Voilà, dans la tout à fait. Merci beaucoup, M. Samuel. Vraiment, nous vous disons merci pour le temps aussi que vous avez passé.